Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog que j'ai pris le temps de réaliser au cours du mois de mai. Je vous partage dans cette vidéo mes petits moments créatifs par chapitre avec comme à mon habitude de l'illustration mais également du tricot et de la broderie. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Généralement, je dédie mes matinées à la préparation des commandes de ma boutique. Je commence par rassembler toutes les illustrations et à les recouper si besoin avec mon massicot pour m'assurer qu'elles soient toutes bien au bon format. Et ensuite, en fait, je m'arrange pour les classer de la commande la plus ancienne à la plus récente, de façon à avoir dans ma boîte toutes les illustrations à portée de main pour les emballer dans l'ordre et les mettre ensuite dans les enveloppes. Comme vous le savez ou non, j'aime beaucoup décorer vos enveloppes avec une petite théière tampon que j'ai dessinée moi-même mais qui a été fabriquée par une entreprise spécialisée qui fait des tampons personnalisés. Et oui, je prends beaucoup de plaisir en fait à décorer vos enveloppes tant que ça reste possible. Et en ce moment, je m'amuse à dessiner des petites campanules que vous pouvez voir sur la vidéo. C'est une variété de fleurs que j'adore et qu'on peut voir fleurir partout en cette saison. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, dernièrement j'ai repris le tricot. C'est Christelle de la chaîne YouTube Rêver sa vie en couleur qui m'a motivée et donné envie de reprendre les aiguilles après de longues années d'interruption. Donc je la remercie et je te fais un petit coucou d'ailleurs Christelle si tu passes par là. Je vous mets sa chaîne YouTube en description qui est top si vous aimez le tricot et l'art du fil en général. Et j'ai voulu en fait me lancer le défi de faire ma première paire de chaussettes que j'ai réalisée grâce à un cale chaussette de Céline Siliou Letter Knit que je vous mets en barre d'infos et qui est super si vous voulez également vous lancer, n'hésitez pas. Thank you.
En ce moment, je travaille avec une autrice de roman pour réaliser la couverture de l'un de ses livres. C'est quelque chose que j'adore faire dans mon métier, surtout quand ce sont des romans qui correspondent à mon univers, bien entendu. Et je suis toujours en fait super heureuse et flattée d'imaginer des décors qui donneront en fait potentiellement envie aux personnes de lire le résumé et de se plonger dans une histoire. Généralement, je réalise mon illustration dans les grandes lignes au bon format sur mon iPad et ensuite je l'imprime et j'utilise ma table lumineuse pour décalquer mon dessin sur du papier aquarelle spécial. Et ensuite je réalise l'illustration plus en détail au crayon sur le papier et je passe à la mise en couleur avec ma peinture aquarelle en dernière étape. Vous l'aurez compris, avec ce petit morceau de peinture, l'histoire se passe en hiver, et même plus précisément pendant la période de Noël. Donc je vous donne rendez-vous à la rentrée pour découvrir la couverture et l'annonce de la date de sortie du roman. Thank you.
en plus du tricot, j'ai également repris la broderie et j'ai commencé dernièrement la roue des saisons de Renarde Endormie, une créatrice qui tient une boutique en ligne sur l'art du fil avec que des merveilles. Vraiment, son univers est sublime, plein de romantisme, un esprit cottage ancien que personnellement j'adore. Et le but est de broder chaque mois des motifs dans la case concernée. Et pour ce mois de mai, j'ai acheté le patron avec un motif de merle dans son lit. C'est un petit oiseau que j'aime tout particulièrement et qui fait beaucoup parler de lui dans pas mal de cultures. J'ai lu qu'il était notamment symbole d'intuition et de confiance en soi, et il serait apparemment considéré par les Celtes comme un oiseau qui transmet l'inspiration et la créativité. Donc il y a énormément de choses en fait racontées à son sujet. Je vais d'ailleurs vous laisser un petit lien d'article de blog en barre de description. Et voilà, donc n'hésitez vraiment pas à aller dessus pour en apprendre un petit peu plus sur cet oiseau.